Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Loïc Collère, bassiste de My City Dogfish, avec mes compères Claude, Olivier et Cédric. Nous avons pu remporter le tremplin du Festival du Blues de la Traverse le 29 novembre 2015. Un grand souvenir. C'est vrai, c'est vrai que ça paraît loin. Nous remercions donc Paul Moulin et toute son équipe, parce que cette équipe-là, elle est bouleversante, de technologie, de technicité, de lumière. Donc le point positif sur ce tremplin, c'est de jouer dans de très bonnes conditions. Également, ça nous a apporté le fait de faire la première partie d'Axel Bauer en 2016, l'année d'après. Donc toujours dans de très bonnes conditions. Donc un grand moment. Également, ce tremplin nous a aussi apporté, pour la troisième fois, un super DVD fait par Jean-Paul Clary. Un DVD sur lequel vous pouvez compter au niveau qualité, son, c'est top. Donc, que des points positifs sur ce tremplin. Donc, j'encourage les quatre participants à donner le maximum pour pouvoir gagner. Donc, une première partie, un DVD, des techniciens à votre service, un encadrement, toute l'équipe technique de Paul Moulin au top. Et nous avons rencontré également Olivier Gall sur le site, Olivier Gall qui est responsable sur place de la prog et de tout l'administratif également. Et il nous a permis d'encadrer des élèves au lycée Mauroy, des élèves en musicologie. Donc nous avons pu faire un parcours avec ces élèves-là de courte durée, mais néanmoins très enrichissant pour eux et pour nous. Et puis nous avons commencé également, grâce à Olivier Gall, les petits concerts à la maison chez l'habitant, organisés par la Traverse en parallèle de toutes leurs prestations habituelles. Donc voilà, donc My City Dogfish et moi-même, nous vous remercions, vous, l'équipe de la Traverse et Paul Moulin, et j'encourage les nouveaux participants pour 2020 à gagner. Merci beaucoup, à très bientôt. Et à profiter de tout ça. À bientôt, au revoir.